Ah, t'es avec toi? Les deux. Eh, Zéophie. Toi, viens là, ça a démarré. On a fait un cours enfin un cours, on a discuté du sujet des couples hors caméra, très intéressant, mais bon, c'est pas la peine de l'enregistrer, tout ce qu'on a dit. Hein, surtout sur vos femmes, vous n'avez pas honte. Alors, Boker Tov. On est aujourd'hui le jeudi 25 du mois de, c'est ça? Je crois qu'on est le 25 du mois de Iyar et le 2 du mois de juin. Le 2 du mois de juin. Comme le temps fonce. Un grand shalom à tous ceux qui nous regardent. Baruch haba Ilan. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la foi. Shalom Ahlama Yomera de tous les malades d'Israël. Ou Bichlalam. Et Talia Bat Efrat Myriam. Et une fois de plus, j'insiste, comme je disais ce matin à mon ami Fitoussi, que Dieu le bénisse. Je lui demandais comment va ta fille. Il m'a dit Baruch Hashem, ça va. Je lui dis c'est maintenant qu'on fait une seudat Todaya. Maintenant qu'on fait une seudat Todaya. Et juste avant de commencer le cours sur la halakhot, je voudrais juste vous livrer quelque chose de l'étude que les gens lisent, mais passent dessus constamment. On lit, on passe dessus. On lit, on passe dessus. Bamed varim amourim, de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez remarqué que, à propos juste d'une seudat Todaya, juste une parenthèse, hein, on va étudier aujourd'hui Mevo Melechet Melicha. Le digne de mettre du sel pendant Shabbat Kodesh sur la nourriture. On va parler de ça. Blineder. On va juste comme ça une petite parenthèse. Léa a eu 4 fils. D'abord, et ensuite elle en a eu 2 autres. Plus une 7e du nom de Dina. Son premier fils a été appelé Réhouven. Pourquoi? Kira'a Hashem, Dieu a vu pour elle sa pudeur. Dieu a vu pour elle ses souffrances, ses larmes. Très bien. Ensuite, elle était contente. Elle s'est mise à prier et Dieu l'a écoutée. Alors, elle a dit, ce fils-là s'appellera Shimron, qui vient du mot écouter. Ensuite, elle a eu un troisième fils et là, elle était très, très heureuse. Elle a dit, ah, apparam, il avait iti ishi. Maintenant, mon mari va m'accompagner. Ishi, c'est pas en français, c'est en hébreu, ça veut dire, il m'accompagne. Mon mari. Ça n'a... Non, mais il y a des olim khadashim, on va dire qu'est-ce qu'il a dit. Je préfère dire, c'est l'hébreu. Donc, Ishi, Isheli, mon homme. D'accord? Pourquoi? J'ai 2 bras, je ne peux pas en prendre 3. Donc, Yaakov restera plus près de moi. Et là où ça devient complètement, mais complètement bizarre, c'est quand elle va avoir son 4e fils. Et elle va l'appeler comment? Yehuda. Pourquoi est-ce que Léa va appeler son fils Yehuda? Hein? Apa'am, Odé l'Hachem. Cette fois-là, je vais remercier Hachem. Pourquoi elle va remercier Hachem? Comme il y a 4 imaot, 4 mamans, pour 12 tribus, si elle en a 4, déjà elle toute seule, elle est au-dessus des autres. Donc elle va remercier Hachem, parce que là c'est un surplus, je ne m'y attendais pas. Ouais? Réponse d'Hachem, et Dieu ferma la matrice de Léa. Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Tous les ans, vous lisez ça, et personne ne fait attention. Les mains d'avoir donné, c'est comme si je viens te remercier pour un très très grand service que tu m'as rendu. J'ai encore besoin de toi. Et tu me dis, ah ben c'est super. Alors puisque tu m'as remercié, tu ne me verras plus. Hein? A pas modèle Hachem. Cette fois, je te remercie Hachem parce que tu m'as donné un fils. Et Arkadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il la bloque. Question énorme. Surtout que la Gemara nous dit, quand tu remercies Hachem, et que tu fais une Seudat Todaya, ou que tu fais Nishmat Kolcha, ou que tu fais, Dieu te rajoute encore. Plus tu diras merci, et plus Dieu te donnera. Ils posent tous la question, les Parchanim, ils disent, je ne comprends pas, Léa, elle appelle son fils du mot merci. Toda. Et Dieu lui ferme. Tshuva, me'od, 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 chazaka. Hein? Non, c'est pas la réponse. C'est pour la protéger de la Inara. Ah, parce que ça, un cinquième ou un... Ah, il fallait rêver au cinquième, donc pour anti-Inara. Attends, laisse tomber. Ouais. Alors? Non, on ne va pas commencer à perdre du temps avec ça. Elle a dit au 4e, pourquoi au 4e? Parce qu'il correspond justement au fait du surplus. Il était prévu que chacune des mères engendre des enfants. Donc pour les 4 mamans, chacun devait engendrer de façon logique 3 égale 12. Elle aurait dû commencer à prier pour les autres parce que... Non. 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 Il ferme la matrice pour qu'elle prie encore plus, pour avoir plus. Ça, il l'a déjà fait pendant des années avant.
Je sens que Thierry, il a une bonne réponse. Ah, Ilan, là-bas, Ilan, Tal. Il est au café, lui, il a dit au Nescafé. Alors écoutez bien la réponse, parce que Béhémet, elle mérite vraiment toute notre attention. Malheureusement, j'aurais bien voulu que ce soit mes questions, vraiment. Des fois, quand je lis des Pérouchim et je vois des questions comme ça, bombe atomique, je rouvre le livre comme ça à toute vitesse, je dis, mais Béhémet, c'est vrai. Quoi, elle remercie Dieu, et Dieu lui dit, ben, je te ferme les portes. Énorme comme question, énorme. Surtout que ça contredit tout le principe de la Torah. Et les sages nous disent, parce que Léa a commis une fatale erreur. Comment elle a remercié Hachem? Pour lui avoir donné un enfant au passé. Mais elle a oublié, je dois rajouter, et merci pour ce que tu comptes faire plus tard. Elle a remercié sur le passé, mais elle n'a pas remercié sur l'avenir. L'Ogdima Toda Léatid. Donc c'est un principe d'ailleurs, on doit remercier du passé et du futur. Absolument. C'est le Chidouche que j'ai étudié la semaine dernière. Trois semaines, j'ai étudié ça. Je ne sais pas combien de temps. Et les Chachamim nous disent, ta simlev, que Akadosh Baruch Hu Beasmo Birvodo, il lui a fermé les portes de l'avenir. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'elle soit remise à pleurer, elle a compris son erreur. Elle a dit, quand tu viens remercier Hachem pour ce qu'il vient de te donner, une bonne parnassa, un beau bébé, une belle épouse, Mashayesh, surtout à ce moment-là, n'oublie pas de ne pas fermer les portes de ton avenir. Toda al Mashenatata, ve Toda al Mashetinatenli, de ce que tu comptes me donner plus tard. N'oublie jamais ça. Et d'où est-ce que tu apprends ça de Raïta, dit Chachamim? Car Léa a remercié Hachem au passé. Je lui ai dit, ah, tu ne me remercies pas pour le futur? J'étais déjà en train de te préparer la neshama de Issachar. Issachar restait dans les yeux. C'est pour ça que le cinquième fils d'Erechagav, il s'appelle Issachar. Dieu m'a donné mon salaire. Et c'était quoi le salaire de Léa? C'est qu'elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et elle a dit maintenant à Rachel, pour les Doudaïm, elle a prié pour que Rachel ait un enfant, pour pas que sa sœur soit moins qu'une chifra. Alors Dieu lui a donné son salaire. Et qu'est-ce qu'elle a eu, Léa, comme conséquence de ce salaire? Elle s'est mise à remercier Hachem, disent les Chachamim, au futur. C'est pour ça que quand tu viens dans ce pays d'Eret Israël, où tu as aussi bien du blanc que du noir, tu peux dire des merveilles sur ce pays, et tu peux dire du noir sur ce pays. Voilà ce qui se passe au niveau éducatif, le défilé des homosexuels, toute la journée, la parnasse. Tu peux voir du noir si tu as envie, hein, tu peux le voir. Tu veux enlever le noir, remercie sur ce noir l'avenir qui deviendra blanc. Et ça deviendra blanc. C'est la Nekuda du Nishmat Kol Chai. C'est le cours que je vais faire pour les femmes. Je reviendrai sur cette Nekuda au niveau du texte, puisque l'Inder, on devait le faire. Le secret de Nishmat Kol Chai. Tous les mots qui sont dedans, c'est Me'od, 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 Chazak. L'Inder, l'Inder. Il y a tellement de cours à faire encore grâce à Dieu. La Torah est infinie. Alors juste pour retenir que quand vous ferez une Soudat Odaya, ou quand vous avez une très bonne nouvelle, par exemple, vous avez gagné quelque chose, si vous ne voulez pas que ça s'arrête, tu dis « Todal machinatata ve todal machayé ». Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se bloquent, ce que je vous dis, c'est dans mon livre de Kabbalah là-bas, le livre bleu. Il dit « Les gens se bloquent même le mazal ». Pourquoi? Il dit « Ouais, ouais, mais attends, okay, sur moi j'ai fait 8000, et comment je vais faire le mois prochain ?» Dieu est ferme. C'est marqué comme ça dans le texte. Lama, pourquoi Dieu va te bloquer maintenant et Béhémet? Parce qu'il te dit quoi? Je te donne au passé, tu ne sais pas me dire merci au futur. Rends positif le futur et il sera positif. D'où t'apprends ça de Léa? Léa s'est bloquée, sa descendance toute seule, parce qu'elle n'a pas été, sur le moment, consciente qu'il fallait aussi remercier sur l'avenir. Tu vois l'avenir blanc, il devient blanc. Tu vois l'avenir noir, il va devenir noir. C'est pour ça que maintenant, on comprend le Shulchan Aruch qui nous dit, tout celui qui a mangé hier et qui dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Il n'a pas d'émouna celui-là. Il vient de fermer en réalité le domaine de sa émouna. C'est pas stable, il n'a pas d'émouna, Dieu t'a donné, tu crois qu'il n'est pas là demain. C'est le fait de dire, why, qu'est-ce qu'on va manger demain? Et tu dis, mais quoi, je t'ai donné, tu me remercies tout le temps pour le passé. Et ça, vous le dites quand? Regardez maintenant que vous avez cette notion en vous, c'est matok kadvash, matok kadvash. Quand vous avez fini de manger, quand vous avez fini, dans le Birkat Amazon, qu'est-ce que vous dites au niveau du langage? Oma shachalnu, yé les sova. Oma shachatinu, yé les fo. Et ainsi de suite. Ce que j'ai mangé sera pour. Ce que j'ai eu, passé pour le futur. Passé pour le futur. Je serai rassasié. Je serai en bonne réfoua shlema, je sais. Toute la prière en réalité est composée de t'as eu, positif. T'as eu, positif pour l'avenir.
soit capable d'être un tremplin pour l'avenir. Vas-y, c'est magnifique. Je suis resté pendant ces deux phrases dans un livre. Je suis resté comme ça et j'ai commencé à réviser dans ma tête. Je te promets plein de textes. Le Birkat Amazon, par contre, c'est moi qui suis revenu là-dessus. Mais c'est vrai que tout ce que nous avons, c'est redit au futur. Emet Veyati Benachon. Tout le temps. Ramim, là-bas, dans le livre que j'ai, ils disent. Les gens disent à chaque fois, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me bloques? Machin. Il dit, mais en réalité, Chaim Bemavet Beyad Alachon. Léa s'est bloquée, comme ça c'est marqué dans le livre. Léa s'est bloquée toute seule, sa descendance. Lama, Sheoda Ata Be'avar Velo Be'atid. C'est des choses comme ça, des petits jokers dans la vie qu'il faut savoir. On est refait, les gars. Ah, ça y est, Yitzhak Cohen, il est heureux, il a dit, on est refait, les gars. Alors vas-y, fais une seconde, d'ailleurs. Azachen. À propos de cela, donc vous avez compris que la Seudat Odaya, si vous voulez faire Nishmat Kol Chai, parce que le but de la Seudat Odaya, c'est de remercier Hachem, de dire Nishmat Kol Chai, d'accord ? Et à ce moment-là, de parler de l'avenir en disant comment Hachem va me donner Bezrat Hachem positif, comment Hachem et Hachem Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, celui qui Béhémet demande la joie, celui qui Béhémet demande une parnassa, il dit Hachem, combien, regardez voir combien Hachem va me donner. Il a marqué que dans les cieux, il a dit, puisque Béhémet, il vit ça, pas il le dit au niveau de la bouche, dans son cœur, il est comme ça. Béhémet, il choisit Mouna, Mitit. Dieu lui dit, ah, c'est ça que tu crois que je vais donner, alors je vais te montrer ma force, comment elle est grande. Le Pérouch d'abord. Comme ça dit Rabbi Nachman. Celui qui dit non, je suis heureux, je refuse d'être malheureux. Il dit Bémet, il est sa meilleure. Il dit ah, c'est ce que tu viens de dire, alors Bémet, je vais te donner de la simcha. Ça, c'est le mamarim de Rabbi Nachman de Breslev. En fin de compte, toute la Torah que tu vois autour correspond à cela. C'est pour ça qu'il y en a deux qui doivent, trois cas, pardon, plus exactement, qui doivent faire des soudats au Dayot. Faire une belle soudat dans une bête Knesset, surtout pour les Talmidei Chachamim, ça fait gamme la kapara des fautes. Car tout celui qui invite un Talmid Chacham à manger de sa nourriture à lui, c'est comme si qu'il apportait un korban à Hachem. Ça répare les fautes de l'homme. C'est celui qui vient d'avoir une bonne nouvelle, fait une Seudat Odaya. C'est celui dont tout va bien, fait une Seudat Odaya. Et c'est celui dont tout va pas du tout, fait une Seudat Odaya. Keshem shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra'a. C'est trois cas dans la vie. Pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Rien ne va plus dans ma vie, Baruch Hashem. Alors pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Pour positiver l'avenir. Parce qu'il y en a qui peut sortir, je ne peux plus avec tes Baruch Hashem, un autre Bilevado, machin. Je suis en train de parler, t'arrêtes pas de me lancer des. Tu sais que t'as un nuage de Rasra quand même. Hein. L'homme est quand même. Il est positif. En tout cas, sache que les gens qui écoutent t'adorent. Parce que chaque fois que je parle de toi ou qu'on charrie, toi et moi, ouais, ils me disent oh, vous êtes trop dur avec Adam le pauvre. On peut voir sa tête. Il a dit non. L'homme est quand même. On a commencé avec le sujet de Seudat Odaya. Qui est meilleur autre chouf. Derech Agav, je voudrais juste continuer avec ça. D'abord et avant tout, c'était pas du tout prévu. Hein. Ce matin, j'en parle avec mon cœur par rapport au fait que vous avez, Baruch Hashem, le mérite d'être marié. Vous êtes sous la choupa. Vous avez une femme à la maison. Et des fois, cette femme-là, elle a le pire défaut pour un couple. Le pire des défauts pour un couple, c'est la nervosité d'une femme. Là, c'est la pire des choses. La nervosité tue l'objectivité du émet, déstabilise l'homme en général. Votre femme est très nerveuse. Il n'y a pas de... Mais attends, encore une fois, on n'a pas dit qu'elle est nerveuse parce qu'elle est folle. Elle est nerveuse, elle a certainement ses raisons d'être nerveuse. Tu comprends? Faire à manger, mettre les machines, travailler. Elle voudrait bien aussi son mari un peu près d'elle. Des fois, elle s'exprime par la colère. Mais ça voudrait dire, j'aimerais bien que tu sois aussi un peu avec moi, qu'on a fait des enfants ensemble, donc j'aimerais bien qu'on les éduque ensemble, pas tout sur moi. Ça s'exprime des fois par la colère, pas parce qu'elle est nerveuse en réalité, mais parce qu'elle pense que tu n'entends pas son message, alors elle va le crier. C'est pas de la nervosité, ça. C'est pas une femme nerveuse. Un col d'abord. C'est quoi ce truc débile? Reine, tu rentres à la maison, t'as jamais à Ilan. Tu rentres à la maison, t'as une femme, c'est... Comme ça, un peu ton truc bizarre là. Ouais? Rien qu'elle va se ramener. Finis, je t'y connais, t'as dit, Baruch Hashem, j'ai une femme, Baruch Hashem, il est tovli, t'as. Dire à ton Hashem que tu changes le cœur, que Bezrat Hashem a un cœur qui soit doux. Et c'est pareil, je te dis pour la femme, ça peut être pour l'homme aussi. Hein. Et les hommes, ce n'est pas des cadeaux. Hein. Je comprends bien.
Aval, juste que vous sachiez que si même dans le mal on est capable de positiver, Yotze Bezetov. La chen, c'est Oudat Odaya. Très important, comment la faire? Achitov, mieux que tout, vous le faites dans un kolel. Bon, vous êtes ici, donc je peux parler d'ici, mais ça peut être quelqu'un qui est en Paris, il y a un kolel quelque part, tu offres une seouda. Pas tu offres une seouda qui vient de chez toi, de peur que les gens disent, est-ce que son four il est cachère, est-ce qu'elle a tamisé sa farine, j'ai mal les canettes, t'es chabed, arrête de faire plaisir. Fais pas plaisir comme toi tu veux, fais plaisir comme les gens ils veulent. Quand on veut donner, on donne comme l'autre il veut prendre, pas comme toi t'as envie que lui il prenne. Donc tu prends tout badat, si ce sont des gens qui mangent belz, ou Vijnitz, ils ont leur théouda. Va acheter Vijnitz et t'as leur du Vijnitz, mais pas la bonne. On s'en fiche, c'est pas important. Là-bas, tu fais une théouda todaya parce qu'il faut qu'il y ait absolument du livret Torah. Et tu dis, voilà, je viens remercier Hachem, parce que Akadosh Baruch Hu, tout va bien dans ma vie. Mais kama onoten, combien je pourrais, Bezrat Hachem, remercier Hachem. Yeratzon, que je puisse faire encore une théouda todaya, que je remercie toute ma vie Hachem. Yelo bracha, atzlacha, varvacha. J'étais de où? Mais pas, il fait une seouda todaya. Il n'y a pas de dvar Torah. Il a amené tous ses copains. Il s'éclate avec les bières. Il fume. Il dit seouda todaya. Seouda taras, mazé odaya. Il y a quand même des brachas. Ah ben, c'est l'osé. Seouda todaya. Odaya, ça vient du mot odeleya. Je suis venu remercier Dieu. Je remercie Hachem. Dieu, il n'y a qu'une chose qui est sa nourriture. L'étude de ta Torah. La reine Bezrat Hachem, vous faites une seouda todaya. Celui qui l'a fait. C'est bien qu'il raconte le miracle qu'il a vécu, par exemple, en Tzibourg. Pourquoi? Ça fait un kiddush Hachem. Hier, j'ai raconté, entre mes très vite, des histoires que j'ai vécues, des grands miracles, des choses incroyables. Et mon ami ici présent me dit ce matin, tu sais ce qui s'est passé hier? Ce que tu as vécu, pas que ça m'est tombé dessus. Pareil, la même chose, incroyable. Top. Ça te fait comprendre comment la jgacha pratit, combien Dieu il est proche de toi. La reine, combien il est important de raconter les miracles qu'on a vécu pendant une Seouda Todaya. Tu fais une Seouda Todaya, pourquoi tu l'as fait? Je veux pas dire. Je veux pas manger. Il faut que tu me racontes. Bien sûr, bien entendu, c'est une chose. Le mec qui dit ma belle-mère est morte, je fais une Seouda Todaya. Haz v'shalom. Adam, en od mi levado. La reine, à quoi le tova? Ça a donné une idée à Adam, il a dit. La reine, c'est Atal Ishmaïa, chez Adam, il y a assez de Seouda Todaya. Qu'une personne puisse faire Bezrat Hashem tout le temps une belle Seouda Todaya, remercier Hashem et y est divré Torah. Le principal, c'est y est divré Torah. Je dirais à Kadou Baruchou, Kama Adam, au Sedvarim, et Kama Kadoukou Noten. Ça réveille le cœur des gens. Baruch Hashem. Vous savez qui c'est qui peut faire une Seouda Todaya? Tu veux, une fois, rentrer chez toi, faire une Seouda Todaya? Ouais? Allez à l'hôpital. C'est un enseignement du Rabbi Eliyahu Levin. Il dit, allez à l'hôpital, vous allez faire une Seouda Todaya direct. Une fois, je me suis promené comme ça à l'hôpital parce que malheureusement, une jeune fille voulait mettre fin à sa vie. Et donc, je suis parti la voir à l'hôpital pour comprendre comment on pouvait aider, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elle avec l'aide de Dieu. Maman, avec l'aide de Dieu. Et il y avait une dame qui était dans un lit au fond, très âgée, elle me faisait comme ça. Alors moi, de loin, je lui dis, je suis marié. Arrêtez pas de m'appeler, je connais pas, je sais pas qui t'es. Et je viens la voir, je dis, bon, ma chère Lazare, vous allez bien, j'appelle la fermière, vous voulez quelque chose. Et elle se met à pleurer. Et elle me dit, Ani levad, ani afehad. Je suis toute seule, j'ai personne qui vient me voir. Vous êtes un rabbin qui venait voir les malades? Je lui ai dit, Bezrat Hashem, donnez-moi votre nom. Elle m'a donné son nom, c'était une vieille petite juive comme ça. Bezrat Hashem, je suis à prier pour elle, Bikur Cholim, mitzvah, de prier pour Bikur Cholim. Vous allez voir un malade, c'est pas alors comment tu vas, t'inquiète pas, ça va aller. Assour. Atachayav litpalel alav. Tu dois prier pour lui. Tu dois arranger peut-être, si tu veux, son coussin, comme a fait Rabbi Akiva. Tu lui enjolives un petit peu sa vie. Bezrat Hashem, tu demandes si tu as besoin de quelque chose. C'est Bikur Cholim. Pas si je suis venu voir, je me casse. Ma pitam. Palel alav, c'est Teilim. Quand tu sors de là-bas, de cet hôpital, tu vois des gens qui hurlent. Tu vois des gens, Chas v'Shalom, il manque un membre. Tu vois des gens qui respirent avec un tuyau aussi. Sors dehors, il va faire une Seouda Todaya. Sors dehors que toi tu puisses sortir de ta voiture. Sors dehors parce que tu marches sur tes pieds. Sors dehors parce que quand tu veux prendre un verre, tes mains,
je parle de ça, j'ai presque l'âme qui monte. J'étais avec une personne, le Rani Vloalechem. Elle a pris son tête, c'est brûlé cette personne. Tout tremble. Pas vieille, hein, pas âgé. Hein. Un mec de 40 ans. Je sais pas quelle maladie il a. Comment ça s'appelle? Parkinson. Mais il faut voir la fumée sortir de son thé, comment il s'est brûlé. Et nous, on prend le verre, on boit, on dit oh, de toute façon, j'en ai marre, la vie est trop dure. Tu sais que tu viens de lever un verre et tu l'as mis dans ta bouche sans trembler? Tu veux, toi, avoir la maladie de Parkinson? Tu veux qu'on en parle? Tu veux, toi, qu'on parle de ça? T'as un toit, ouh, ta guide Toda. Hier, j'ai vu des photos de pauvres qui vivent sur des bancs à Tel Aviv. Il y en a plein en France, il y en a plein dans le monde entier, hein, qu'on ne dise pas en Israël. Il y a... Ici, la différence, c'est qu'on montre tout. Ailleurs, on cache, comme à Los Angeles. Tout est caché derrière Dantan. Ici, on montre tout. Combien un homme il doit remercier Hachem parce que tu vois, parce que tu écoutes. Combien un homme il doit remercier Hachem au lieu de critiquer ce pays, de dire tu te rends compte, je vis en Israël tous les matins. Tu te rends compte, je vis en Israël. Est-ce que vous êtes conscient, je vis en Israël? Je marche sur une terre que Moshe il a dit, donne, prends-moi tout de moi, prends mon monde futur, prends tout, juste tu me laisses rentrer en Israël. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que quand tu ouvres ta porte, t'as la gueuleuse qui est là en train de t'accueillir. T'es où? Par les cours, hein? Bon, la vérité, si elle peut se calmer, c'est mieux. Moi, je ne peux pas, j'ai une femme géniale, mais pas pour ceux qui ont cette situation désobligeante. Mais au moins, elle est là. Tu n'iras pas au Guéhinnam. Il y a du positif dans l'histoire. Le mec qui meurt après 120 ans, il dit « T'as fauté, Guéhinnam, non, j'étais marié. » Bah, au Hachem, tu as des enfants? Tu rentres, ils te sautent dessus? C'est un kiff ou pas? Hein, tu es un peu balourd, hein, c'est... Bah, au Hachem. Kama simcha yeshlanu. Kama tov yeshlanu. Vous voyez, lo alenu velo alechem. Si je peux me permettre, il est marqué dans Zohar Kadosh, quand tu entends quelque chose ou que tu vois quelque chose, c'est que cet événement qui est là-bas a un rapport avec toi. Quand tu vois lo alenu velo alechem, en Colombie, en je sais pas quel pays bizarre là-bas d'autre côté du globe de la Terre, des boulements de boue, des tsunamis, des gens qui avaient tout, en un seul jour, ils sont passés de tout à rien. Ils ont tout eu, ils ont tout perdu à Botaille. Et nous, on voit ça à la télévision. Tu te rends compte? On dénombre 100 000 familles, 150 000 familles sans refuge. Tu te vois, toi, rentrer dans un hangar habité avec tes enfants là-bas, avec des milliers de personnes? Et je te raconte pas les viols qu'il y a là-bas et l'injustice qu'il y a là-bas? Et nous, on rentre devant notre petite maison et on fait encore la tronche. Tu veux cette situation pour être heureux? La reine, il disait, Chachamim, toujours fais une Seudat Hodaya. Pourquoi? Parce que la Seudat Hodaya, de dire merci à Hachem pour ce que tu as, t'empêchera de perdre ce que tu as. Mais si tu te plains avec ce que tu as, Dieu dit de toute façon à toi, imagine, Fitous, tu viens aider quelqu'un, quoi que tu lui donnes, il fait toujours à ton façon, je m'en sortirai jamais, même si tu me donnes, ça ne sert à rien. Tu lui donnes? À la fin, t'en as marre. Tu donnes à quelqu'un, tu viens, Chener, Klacht. Ouais, c'est exactement ces sentiments que nous avons. Ce sont des sentiments que Dieu nous a mis en nous, parce que ce sont des sentiments que lui ne veut pas avoir. Et si on remercie Hachem dans la Amida tous les jours pour tout ce qu'il nous a donné, c'est un peu une façon de faire une Odaïa, Hachem. Mais l'Amida était composée comme cela, mais est-ce que les Kavanot y sont? Ce que tu dis serait valable quand tu viens et que tu vivrais les mots de, par exemple, Modim des Rabbanan. Les mots de Modim des Rabbanan sont magnifiques. Modim anachnoulach. Nous te reconnaissons Hachem, nous te remercions dans le langage qui veut rien dire, mais réellement parlant, nous reconnaissons une reconnaissance de dette. Modé et odot. Ok? Sha'ata'u Hachem, Eloke nous veloke avotenu, que tu es l'éternel notre Dieu, Eloke kolbassar, donc Dieu de toute chair, Yotserinu Yotser Bereshit, tu es notre créateur et le créateur de la création du monde, de Bereshit, Berachot ve'odahot, bénédiction et remerciement, Leshimcha agadol ve'akadosh. Est-ce que tu vis vraiment ces mots-là? Est-ce que tu les dis avec émotion dans les lèvres? Comment on fait? Bon, on dit, j'ai remarqué, hein? Les mains d'avoir domé, c'est comme si maintenant je te donne un diamant, tu me remercies. Et tu continues ton chemin. Oh, je t'ai donné un diamant. Si Bémet, on le disait avec des larmes, avec les lèvres qui tremblent de Bémet, Todaraba, Hachem. Oui, t'as raison. Mais est-ce qu'on le fait? Non.
fait pas comme ça. Si on est droit, on ne fait pas comme ça. Pas comme ça. C'est pour ça que Dieu nous a donné toujours des souvenirs à faire. Tu as gagné l'oseille, prélève le maaser. Faut qu'il y ait de l'action. Faut qu'il y ait quelque chose. Il va falloir que tu marques un point de dégainer. Qui c'est qui a dit ça? Toujours dégainer. Tu sais ce qu'il disait mon rave d'ailleurs? Il y a un homme qui est venu le voir, Rabbi Moshe Ederi. Il se plaignait des impôts qu'il payait. Oui, j'ai payé une somme astronomique qui lui avait sorti 25 millions à l'époque des francs, je parle. Soit 250 000 francs d'impôts, j'en ai marre et machin. Et Rabbi Moshe Ederi, il était sur son fauteuil, il a regardé comme ça, il lui a dit, moi je suis prêt à payer le double. Il dit, ah bon, pourquoi? Il lui a dit, parce que vous, vous voyez que ce que vous sortez des poches, pas ce que vous rentrez. Alors j'ai dit à Rabbi Moshe, il m'a fait un clin d'œil, je lui ai dit, vous voulez vraiment payer des impôts? Il m'a dit, ce n'est pas le problème. C'est que si tu rentres de l'argent, tu payes. Mais vois ce que tu as rentré, quelque part. C'est à l'époque où les impôts en France étaient normaux, hein, pas comme aujourd'hui, ils veulent rien dire. Tu travailles pour l'État à 100%. Avalze perusha davar que behemet, 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 adam tsarich tamid, tamid listakel benekuda tova. Toujours regarder le bon côté des choses. Et la Seuda Todaya aide pour le mazal, aide pour cela. Et comme je vous l'ai dit au début, Léa, malheureusement, dans ce cas précis, quand elle a dit maintenant je veux remercier Hachem, elle ne l'a fait que pour le passé, et ne l'a pas fait pour l'avenir, et les Chachamim nous disent, tant pis. Par rapport à ça, j'ai compris, mais le coudin, elle donne le nom pas à une nourriture qui va se manger, qui va disparaître, elle donne le nom à un fils qui va vivre pour une longue durée. Donc c'est un remerciement qui va être au quotidien. C'est pour ça qu'on n'a pas dit qu'il avait fermé la porte pour Yehuda, elle avait fermé la porte pour Issachar. Toi, t'es resté dans le passé. Moi, je parle du futur. Je parle de Issachar et de Zvoulou. Pourquoi ne sont-ils pas venus m'y mêler les uns après les autres? Ils sont tous venus les uns après les autres. Pourquoi il faut que ça s'arrête là pour que là-bas, non? Il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons qui sont très fortes. C'est que si les Imaot elles-mêmes, les autres, avaient mieux prié, elles auraient peut-être pu obtenir Yehuda, elles auraient peut-être obtenir encore Zvoulou, ou elles auraient pris Issachar. Mais Léa avait une force de la prière qui était beaucoup plus forte. Pourquoi? Non, parce que comme elle se sentait complexe d'infériorité, parce qu'elle se trouvait moins jolie, alors sa prière était plus forte. À un tel degré que quand Rachel a prié pour elle, pour avoir un garçon, elle est tombée enceinte d'une fille. Ouais. C'est Léa qui va interverser le garçon qui était en elle, qui rentrera dans le ventre de Rachel, et c'est Rachel qui enverra son fils et sa fille chez Dina. Mais absolument, c'est pour ça que la justice s'est réglée. C'est pour ça que la justice s'est réglée. Yosef fait partie des rois d'Israël. Normalement, dans l'origine des choses, Yosef était le fils de Léa, et pas de Dina, et pas de Rachel. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est juste dans tout ce qu'il entreprend, mais que la prière est plus forte que la justice, quelque part. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Chez lui, rien n'est impossible. Il a donné Yosef à Rachel, mais Yosef va épouser Osnat, fille de Dina. Ce qui fait que quand il va engendrer celui qui deviendra par sa descendance la tribu de Ephraim et de Ménaché, qui n'est autre que l'arrière-grand-mère du Melech Amashiach Ben Yosef, ça ressasse toujours. Léa, Léa récupère son dû deux générations plus tard. Pas chou, il suffit de voir la Torah, l'arbre généalogique. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'injustice. Il avait donné à l'origine Yosef pour la descendance de Léa. Léa récupérera son dû deux générations plus tard par la naissance de Ephraim et de Ménaché, tout simplement, par le biais de sa fille Osnat, fille de Dina, et donc fille de Léa. Mais pourquoi tout ça maintenant? Parce que Léa, après avoir commis cette erreur, n'a jamais cessé de remercier Hachem dans l'avenir. Le Pérouchat d'abord. À retenir à vie, Be'ezrat Hachem. Comme le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'il est bien fait? Ce que nous avons eu, qu'il devienne du positif. C'est exactement ce qui est marqué dans les Chachamim. Tamid le'odot l'Hachem. Tov le'odot l'Hachem. Kol tov.